Mais je vous ai dit que le CNT, dans la même vidéo, je vous ai dit que le CNT était un instrument bien fait, un instrument bien arrangé par le CNRD qui jouera que le son, la musique du CNRD. Ce n'est pas du CNT, c'est du blabla. Ce n'est pas du CNT, c'est du copier-coller. Ce n'est pas du CNT, c'est, je vous ai dit que c'est juste un tape à œil. Mais comment pouvez-vous imaginer sur 81 conseillers du CNT, je vous ai dit à l'époque, 75% de ces personnes-là, disons, 81 personnes, disons, tous 11 étaient le choix du CNRD. 75 sur 81. Je l'ai dit à l'époque. Mais sauf que, aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Parce que lorsque j'étais en train de le dire, certains ont dit que, non, tu es en train de faire un mauvais procès pour penser au nom et quand tu regardes seulement le patronyme et tu vas penser que ceux-ci-là sont avec CNRD. Parce que tout simplement, tu verras un Diakité, tu verras un Keta, tu verras un Condé, tu verras un Souma, tu verras un tel, puisque certains membres du CNRD portent les mêmes noms que ces personnes-là que je suis en train de faire un mauvais procès. Pourtant, je vous ai dit que je connais bien ces gens-là. Je félicite ceux qui ont fait le coup d'État. Je dis bien, je félicite ceux qui ont fait le coup d'État. C'est dedans fait partie Alia Camara, c'est dedans fait partie Michel Lama, c'est dedans fait partie beaucoup d'autres, Kamano, c'est dedans fait partie beaucoup d'autres. Je salue ceux qui ont fait le coup d'État contre Alpha Condé, ceux qui ont arrêté Alpha Condé. Mais laissez-moi vous dire une chose, cette transition est souillée. Cette transition est souillée par des mauvaises mains. Cette transition est déjà souillée par des mauvaises intentions. On n'imaginait pas si en espace de quelques mois, 8 mois seulement, que le CNRD allait nous dévoiler ce qu'il cache. Je pensais qu'on allait faire 1 année, 2 ans sans connaître, mais tout ce que tu planifies contre le peuple, Dieu te montre, Dieu montre ton dos devant le peuple. C'est ce qu'on est en train de voir. Et là, j'avais dit que le CNT ne fera que du copier-coller du CNRD. Parce que certains n'avaient pas compris. J'ai dit que si tu as vu que le CNRD s'est fait représenter en grande quantité au CNT, avec des personnes crédibles, que eux-mêmes ils savent réellement que les personnes-là ne pourront jamais les trahir, c'est eux ils ont choisi. Sinon que, le saviez-vous, vous-même vous êtes conscient que celui qui devrait être le président de ce CNT, c'était Fonike Menge. De la bouche de Doumbouya, de la promesse de Doumbouya, de la promesse du CNRD, devant le FNDC, ils ont promis que ça allait être Fonike qui allait être le président du CNT. Plus 10 membres du CNRD qui allaient faire partie du CNT. Mais ils ont compris que Fonike Menge n'est pas quelqu'un qu'on pourra berner de cette façon, de trahir son combat, de trahir le peuple. Ils l'ont mis de l'écart. Ils ont compris que les 10 autres membres qui devraient aussi participer du FNDC allaient être de problèmes au sein du CNT. Ils ont mis de côté. Ils ont installé un CNT semblable au CNRD pour duper le peuple, pour tromper le peuple dans les prises de décision. Aujourd'hui, nous sommes où? Sur 81, sur 81, 78 ont voté
Je vous dis, 78 ont voté pour cette transition de 36 mois. Honnêtement, je vais vous dire quelque chose. Honnêtement, je vais vous dire sur ma réponse sur les 36 mois. Les 36 mois, 3 ans, avec une gente loyale, avec une gente honnête, avec une gente digne qui veut respecter la parole face au peuple, cette durée allait être raisonnable. Sans vous mentir, cette durée de 3 ans allait être raisonnable. Mais avec ce CNRD que je vois, 3 mois c'est trop pour eux. 3 ans c'est trop pour eux, pardon. Parce que ce CNRD, écrivez la date d'aujourd'hui. Les 3 ans demandés par le CNRD, les 3 ans là ne vont pas les suffire. Écrivez la date d'aujourd'hui, vous allez me donner raison. Ils vont demander une prolongation pour aller à 4 ans ou 4 ans et demi. Écrivez-le aujourd'hui, vous allez mettre. Écrivez la date. C'est pourquoi, au lieu de les attendre qu'ils demandent une prolongation comme l'a fait le Mali tout près, diminuons dans leurs 3 ans. Quand ils viendront maintenant, on les accompagne avec, s'ils font de bon, on les accompagne avec un bonus d'où ils vont se sentir à l'aise et organiser des élections. Mais si nous les laissons avec les 3 ans, ils vont demander plus parce que ils se diront que en 3 ans, on pourra faire beaucoup de choses pour gagner le cœur des Guinéens. Et lorsqu'on aura le cœur des Guinéens, redemandons encore 1 année et demie ou 1 année. Le CNRD va le faire. Croyez-moi. Si les choses restent ainsi, 36 mois, si ça reste ainsi, parce que là, on ne sait même pas de quand débute leur transition. 36 mois depuis le 5 septembre ou quoi? On ne connaît pas. Ni le CNT, ni le CNRD n'a été capable de se prononcer là-dessus. Ce qui veut dire que c'est des bandes de démagogues qui sont autour avec tout ceci-là. Ils sont dans la démagogie. Ils sont dans la démagogie. La durée ne nous fait pas problème. Dire que 3 ans, c'est une durée raisonnable pour toute transition qui se dit avec tout ce qu'on a vu dans ce pays. 3 ans peut être raisonnable, mais pas avec le CNRD. Sans vous mentir, 3 ans peut être raisonnable, mais pas avec le CNRD. Parce que le CNRD que je vois là, avec tous ces gros lots qui sont dedans, merci beaucoup Bilo pour avoir écrit la date. 13e mois 2022, écris-le. Vous allez me donner raison un jour. On donne les 3 ans au CNRD maintenant là. Plus les 8 mois ou moins les 8 mois, c'est une durée. Moins les 8 mois, c'est une durée raisonnable. Mais je vais vous dire, le CNRD fera tout pour commencer avec certains chantiers où ils vont voir pour capter le cœur des Guinéens par après. C'est ce CNRD qui va se dire qu'ils ont des chantiers inachevés. Ils doivent d'abord finir avec ces chantiers. Ils ont des chantiers inachevés. Ils vont vous parler clair pour vous dire que nous avons lancé une lutte contre la corruption. Nous avons lancé une lutte contre, je ne sais pas, la pauvreté. Nous avons lancé une lutte contre ceci ou de cela. Et là, ils vont vous dire de les donner encore un bonus, une prolongation pour achever le travail. Ou s'ils ne le demandent pas, croyez-moi, ces gens-là, ils vont nous envoyer une crise à la fin de leur mandat, à la fin de la durée de la transition, à 1 année ou à 5 mois de la fin, ils vont nous envoyer une crise. Pour cette crise, ils vont demander à ce qu'il y ait la prolongation. Croyez-moi, écrivez cette date. Je vous ai dit, CNRD, ce n'est pas quelque chose
qu'on peut compter. CNT, on ne peut pas compter sur eux, ni sur le CNRD. Ils sont là, c'est des gens, le copier-coller d'Alpha Condé, on est en train de voir dans ce pays. C'est le copier-coller. C'est les gens qui ont tout simplement profité de nous. Ils font leur complot de coup d'État. Ils profitent de nous qui étons en capture avec le pouvoir en place. On les libère. Nous sortons clairs. Et nous partons valider ces gens-là. Et puis ces gens-là se retournent contre nous. Imaginez ce que ça fait. Entre eux et nous maintenant, qui a sauvé qui? Ils prennent le pouvoir. Ils savent qu'un camp était contre leur prise de pouvoir, qui était le camp de la mouvance. Et ils savaient que ce camp de la mouvance avait les moyens pour les déstabiliser, avait les moyens pour les mettre à l'eau, avait les moyens pour les neutraliser. Le RPG Arc-en-Ciel avait ses moyens là pour neutraliser le CNRD. Mais le CNRD a demandé, il a tendu la main à nous pour que nous nous rendions crédibles aux yeux des institutions internationales et du public guinéen. Nous l'avons fait. On n'a pas manqué de chanter pour eux, d'acclamer, de taper les mains, de faire. On a vu des filles, des femmes guinéennes qui ont fait des photos avec des militaires, qui ont même donné des bisous à des militaires. Tout simplement pour prouver que nous sommes de cœur avec vous. Et ce sont ces gens-là, tout simplement parce qu'on a fini de les garantir devant la communauté internationale, devant certaines institutions, certains pays, des puissances, je ne sais pas, certaines puissances. Et aujourd'hui, c'est eux qui se retournent contre nous. On nous met de l'écart dans la gérance de ce pays. On nous met de l'écart pendant que c'est nous. On s'est battu, c'est nous. On s'est sacrifié. Nous nous sommes sacrifiés ici à aller en prison. Certains sont morts en prison. Je me demande, en quoi est-ce Doumbouya s'est sacrifié pour la Guinée? Il a dirigé, mais des gens, ceux qui se sont sacrifiés pour la Guinée aujourd'hui sont mis de l'écart. C'est pareil que pour nous. C'est pareil que vous. Vous avez marché dans la rue. Certains sont morts, ils sont aujourd'hui dans les cimetières. Mais on nous tourne le dos. Moi, j'ai fait seulement ce rappel. Je vous dis, c'est un rappel. Je vous ai dit que c'est ce qui va arriver avec Kassori. C'est arrivé. Je vous ai dit que ça va arriver avec le CNT. C'est arrivé. Donc, de tout ce que je vous ai dit, c'est arrivé. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi du CNT? Vous étiez en train d'attendre quoi du CNT? Religieux, société civile, quoi? Toutes ces personnes-là sont des gens qui sont dans la vision du CNRD parce qu'ils ont été choisis par le CNRD. Est-ce que c'est le peuple qui a choisi ces personnes-là? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui légaux? Ce CNT est légal? Ils gagnent leur légitimité auprès de nous, peuple, parce que c'est nous qui avons acclamé le CNRD. C'est cette même légitimité Doumbouya aujourd'hui a profité de la légitimité qu'on les a donnée et il a fait asseoir son CNT. CNT copié-collé du CNRD. Ça sert à quoi? Donc, sur ce rappel, il ne fallait pas s'attendre à beaucoup de choses. On savait et on l'a dit, s'il a pris 39, c'est parce que tout simplement, ils veulent que le CNT diminue un peu pour venir 3 ans. Parce que depuis très longtemps, aujourd'hui, je vais vous dire, quand tu penses faire mal aux autres, tu finis par faire mal à toi-même.